Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Var, c'est la deuxième région de France où il y a le plus d'espaces verts en fait. Et après, derrière le Pays Basque, je crois. C'est d'ailleurs notre région, il y a une diversité de plantes incroyables, puisqu'on passe du bord de mer à les hauts, enfin pas les montagnes, mais un petit peu plus haut. Il y a vraiment une diversité de végétation impressionnante, je peux m'en rendre compte depuis que je suis ici. C'est énorme ce qu'il y a à découvrir en. Moi, je suis juste sur un village et il y a beaucoup d'espaces verts et tout. Je découvre encore beaucoup de végétation différente. C'est extraordinaire de voir la diversité qu'il y a ici. Salut tout le monde, ça y est, c'est le printemps. Une nouvelle saison est là et comme tous les débuts de saison, j'adore les premières semaines de chaque saison. Vraiment, on a un nouveau souffle, plein d'idées qui arrivent. J'ai envie souvent de faire des petits changements dans la maison, sur moi-même. Et donc, cette semaine, je voulais vous emmener un peu avec moi pour célébrer cette saison du printemps, du renouveau, avec tous les changements que cela inclut dans la nature. En ce moment-là, je fais beaucoup de balades. C'est extraordinaire de voir toutes les fleurs sortir. Je découvre, voilà, comme je vous ai dit, des nouvelles balades encore près de chez moi. C'est magnifique. Ce matin, on est allé avec le chien à 10 minutes en voiture de chez moi sur une balade en fait que je savais même pas, qui est toute plate en plus, au bord d'une rivière, et on arrive à la fin à un lac. Donc là, j'y suis pas allée au lac. J'irai la prochaine fois parce qu'il faut plusieurs heures pour y aller. Et voilà, c'est magique de découvrir des nouveaux coins. Regardez les végétaux, parce que là, c'est vraiment la saison des cueillettes à fond qui démarre. Et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, cette semaine, je vais vous emmener un petit peu avec moi, vraiment tranquille. Hein, j'ai pas prévu beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai surtout prévu de sortir mes affaires de printemps. Printemps et été, peut-être même sortir les deux en même temps. Enlever tout ce qui est vraiment hiver. Même si franchement, en ce moment, nous, il fait pas chaud du tout, il a beaucoup plu. On a eu des journées de pluie et on a eu des journées où on a fait la cheminée encore il y a quelques jours, toute la journée. On est aux alentours de 10 degrés en ce moment, donc il fait vraiment pas très chaud. Enfin, chez vous, ça devait être encore plus frais. Mais voilà, j'ai quand même envie de sortir mes vêtements, donc je vais vous montrer un peu tout ça dans mes placards. Sortir un peu les fleurs, les tissus fleuris. J'ai acheté aussi quelques tissus que je vais vous montrer à Nice la semaine dernière pour me faire des petites cousettes de printemps. Et puis j'ai envie, voilà, de ranger un peu ma vaisselle, sortir ma vaisselle un peu plus printemps-été. J'ai dans ce grand vaisselier des petits services un petit peu fleuris, tout ça. Donc j'ai envie de faire un petit switch. Après, ce week-end, ce sera Pâques. Donc j'ai envie aussi de découvrir un peu la maison, enfin voilà, faire des petits bouquets champêtres et voilà, nettoyer un peu la maison et lui donner un nouveau souffle. Je suis aussi en train de préparer la terrasse, donc même si on a encore un gros chantier, je vais vous montrer peut-être cette semaine l'étendue des dégâts des travaux dehors. Et puis voilà, donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un peu ce que je tricote, ce que je fabrique, ce que je lis, ce que, voilà, comme d'habitude. J'espère que ce format vous plaira et puis on se voit dans la semaine. A plus. Petit clin d'œil de pleine lune, trop contente, j'ai trouvé ça par hasard au supermarché. Je me suis dit qu'il fallait pas que je passe à côté de ça. J'ai déjà semé des courges musquées, et du coup là j'ai trouvé des jack-o'-lanternes. Alors d'habitude, je sème toujours à la nouvelle lune, mais là, je vais faire exception. Et donc, j'ai semé mes petites jack-o'-lanternes. Voilà, j'ai vu que ça se semait un petit peu plus tard, mais bon, écoutez, ici, on est quand même un petit peu en avance. Et j'ai semé un petit peu d'aneth, voilà. Je vais, pour le potager cette année, on ne sait pas si on aura vraiment de quoi faire les tomates, les courgettes, tout ça, puisqu'on va être en plein travaux. Donc pour l'instant, je sème de quoi faire des pots, ou voilà, les courges, je peux les mettre en pleine terre, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer un peu ça. En attendant, c'est trop bien si j'ai mes jack-o'-lanternes moi-même pour les creuser à Sowin, mais ce serait trop, trop, trop bien. Je vais vous montrer un peu le futur potager. Voilà le gros chantier, une partie du gros chantier. Là, c'est la future cuisine ici. Donc là, on est en train de faire le mur tout le long de la maison, le mur de soutènement. Et ici, en fait, il y aura donc un petit escalier
Avec un, ici en fait on va tout décaisser, donc c'est le potager qui est grand, hein, qui doit faire 120 mètres carrés je pense, facile, il est vraiment très très grand. Donc on va faire un petit escalier pour monter et puis on va décaisser décaisser la terre pour que ce soit bien plat. Et on va l'entourer de petits murets de pierre, ça va être très très charmant, voilà. Donc pour l'instant il n'y a rien du tout, on va faire ça assez prochainement, donc on verra comment ça évolue cette année, mais on n'est pas pressé de toute façon. On attend un copain pour qu'il nous prête sa pelle et qu'on fasse ça. On a aussi commandé des arbres pour le jardin plus bas. Je vous montrerai tout ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte. On va faire vraiment un potager cette fois-ci, à l'ancienne, entre guillemets, avec des carrés en bois, hein, en traverse de bois. Et voilà, ce sera assez séparé. J'aurai mon côté médicinal, mon côté potager, mon côté fleurs. Voilà, je vais assez organiser ça, comme ça. Ce sera trop bien, vous imaginez, là, plus tard. En fait, il y aura la cuisine. Et ici, on va faire une petite extension où il y aura normalement mon atelier ici. Donc, en fait, le rêve, j'aurai l'atelier avec la cuisine, la terrasse et donc le petit linge ici étendu devant, et je pourrais de l'atelier voir le potager, voilà, c'est un peu un rêve. Donc ça c'est dans les projets lointains, mais on imagine tout ça. Le travail de tout l'automne et une partie de l'hiver, on a planté tous les haies, et on a surtout fait le mur de pierre avec les grilles. Il y a pas mal de mètres, et ces grilles-là ont été faites du coup, c'est mon beau-père qui était forgeron, donc il les a faites lui-même, et on a peint. J'ai passé beaucoup de temps à peindre ces grilles, je vous avais dit, c'est des mètres et des mètres de grilles. Et voilà, on a choisi pas mal de variétés différentes pour faire la haie. On a planté assez serré pour avoir vraiment un beau résultat assez rapidement. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a planté, des arbres vraiment de haie. Hein. Des troènes et les anus. Voilà, ça c'est des mètres et des mètres et des mètres. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça pousse, que tout se plaît. Du coup, le fait d'avoir planté ça à l'automne, ça s'est bien, bien, bien installé. C'est super chouette. On refait aussi ça c'est le puits qu'il y a chez nous. Un puits qui était là, on a tout refait les pierres. Ce sont des pierres locales en fait qu'on trouve par chez nous, voilà. Assez typiques. Et on a fait tout ce muret de pierre aussi. Ça, je crois que je vous l'avais montré déjà l'année dernière. Ça, c'est les quelques rescapés de l'ancien jardin. Mes chrysanthèmes. Ça, c'est des petites fleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. De la menthe, de bricolette, quoi. Ça me fait rire parce que j'avais tellement de plantes. Mais c'est déjà ça. Hein. Ça, c'est un arbuste que j'adore. C'est les pompons des neiges, les boules de neige. J'adore cet arbuste qui revient à la vie complètement. Il est décimé en hiver et d'un coup... Ils nous ont refait des feuilles. J'hésite à le laisser en pot, à le planter celui-là, parce qu'en arbuste, c'est vraiment très très beau. On a commandé aussi avec des arbres, je vous les montrerai. Un arbuste que j'adore, c'est le spiré. Ça fait des petits pompons blancs et comment ça s'appelle déjà? Enfin, j'oublie toujours son nom, un autre qui fait des petites... Un seringa. Je m'en sers pour vraiment un grand grand abus pour faire des bases de bouquets. Enfin pas ça, hein, mais le seringa et le spiré, c'est extraordinaire. Voilà, ça fait plaisir de voir tout ce petit monde qui revient. Ça y est, j'ai ressorti mes... Je viens de voir que c'est froid, c'est ça. Mes petites affaires un peu printemps-été. Ouh, ça fait du bien ce petit thème bleu-vert. Qu'en pensez-vous? Bleu-vert-beige, voilà. C'est un peu mon team de cette année encore. Et voilà, ça c'est mes blouses vraiment de toute l'année. J'ai toujours voilà, mes affaires dans ce meuble au fait. Hein. Voilà, bien sûr, comme on n'a pas fait les travaux. Mais ça me convient bien d'avoir tout à une place. C'est chouette. J'ai ressorti mes hauts en crochet. Celui-là, c'est un haut que j'avais fait, je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus. Je l'adore, c'est un modèle de Drops, un modèle gratuit. Si vous voulez faire un petit top d'été, il est vraiment super. C'est un petit haut comme ça, débardeur, avec en bas, en fait, c'est des petits pompons. C'est un pur très rapide à faire, et je l'avais fait en coton, là. Il vieillit super bien, en plus. J'en ai fait un beige, et un autre beige encore, décidément. Il faudrait que je m'en fasse un autre cet été, tiens.
de couleurs un peu bleu, vert. Ça, c'est un haut qui vient du livre de Lulu Loves Crochet, je me souviens. Je l'avais fait à 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Très sympa aussi, c'est un espèce de t-shirt en fait. Hein. Comme ça, tout en point texturé, très joli, vraiment très beau. Il faut mettre par contre un débardeur dessous parce qu'il est transparent, mais il rend très très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire du crochet en ce moment, c'est normal avec les beaux jours. Donc j'ai ressorti ça, ça fait trop plaisir, vraiment trop plaisir. Et voilà, j'ai sorti mes petites blouses, ça c'est mes petits sweats que j'avais fait là au printemps de Maison Essentielle, le patron. Voilà, hop. Du coup j'ai enlevé ben, toutes les affaires d'hiver, donc c'est hop, c'est plus vide hein, quand même. Bon ça c'est quand même mes petits tricots du moment, hein, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Alors ça c'est mon dernier cardigan de Isabelle Kremer, le corail. Ça c'est un gilet du commerce, ça c'est mon gilet Kerry. Ça c'est des petits surchemises que j'avais achetées sur Vinted, que je mets beaucoup. Verte, beige. Ça, c'est une chemise que j'ai achetée sur Vinted aussi dernièrement. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est une veste de costard que j'ai depuis des années. Une petite veste en jean comme ça. Enfin, je pensais que c'était une chemise, mais en fait, c'est vraiment une veste. J'aime bien rose. Un peu oversize. J'aime beaucoup le look. Je la trouve super sympa. Je la mettrai bientôt. Et voilà, toujours mon petit gilet sans manches. Ça, c'est mon gilet aussi, mon pull... Lustre que j'ai fait il y a, que j'ai, je mets beaucoup. Hein. Hop, c'est mes couleurs du moment. Attendez, je ferme. Et là, c'est donc mes quelques jeans. Parce qu'en ce moment, je mets pas mal de jeans en mi-saison. C'est vrai, pour mettre les robes en ce moment, j'ai pas envie de mettre des collants chers. Donc, je suis pas mal en jeans. Ça, c'est une salopette en jeans. Ça, c'est une combi en lin. Ça aussi, c'est des choses que j'aime beaucoup mettre au printemps. Et là, j'ai ressorti 3 robes, c'est tout. Pour l'instant. C'est mes robes préférées en fait. Ma robe Vichy bleue, une rouge que j'adore, du commerce, hein, les 3. Et une bleue aussi du commerce. Il n'y a pas de robe cousue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible ça, donc je vais y remédier. Et je vais vous montrer ce que j'ai envie de coudre, ce qui me manque du coup, on voit bien là. J'ai ressorti aussi ma blouse Frida, que c'était ma première cousette, je crois, de vêtements l'année dernière, de Atelier Bernie. J'avais fait dans un drap. Je l'adore. Franchement, je l'ai beaucoup mise. Il faudrait que je m'en fasse d'autres parce que c'est une blouse vraiment hyper facile à faire. C'est tout élastiqué. Ça me fait rire de voir les défauts. Tout élastiqué et vraiment très accessible aux débutants. Je l'aime beaucoup. Il faudrait trop que je la fasse dans une petite viscose, même ce serait joli. J'adore. Coucou, je vais vous montrer mes petites emplettes que j'ai fait à Nice. Je suis allée chez Totosold et il y avait moins 30 sur tous les tissus, je crois. Donc j'en ai profité pour me prendre des petites viscoses pour me faire des jupes. Et j'ai pris ça, j'ai trouvé ça en viscose en fait. Hein. Ça m'a fait trop rire. En fait ça m'a fait penser au film Irish Wish. Je sais pas si vous l'avez vu qui est passé sur Netflix il y a pas longtemps. Qui est toujours d'ailleurs avec l'actrice Lindsay Lohan. Alors c'était pas le meilleur film du monde. Hein, mais visuellement c'était beau, très beau. Moi qui adore l'Irlande, même si je ne suis jamais allée en Irlande. C'était beau les paysages, même si ça faisait un peu factice, le château et les looks de l'actrice, j'ai bien aimé. Et à un moment, elle avait une robe exactement comme ça. Et comme par hasard, je suis tombée dessus. Ça m'a fait trop, trop rire. Donc ça, je sais pas, en jupe peut-être pas, mais une robe, c'est bleu et vert, quoi. J'adore. Une robe assez fluide. En plus, elle est pas c'est pas du tout transparent comme viscose. Hein. C'est génial. Elle est pas du tout transparente. Donc franchement, je vais voir. J'ai pris 2 mètres. On verra. J'adore. J'ai pas de... J'adore les rayures, mais les carreaux aussi, j'en ai pas en fait. Donc il fallait que j'ai des carreaux dans ma vie. Ça, j'ai bien aimé aussi cette petite viscose. À fleurs. C'est pas comme si j'en avais plein. J'en ai acheté en plus, je vous avais fait un haul il y a pas longtemps où j'en ai pas mal en fait. Ah, mais moi, printemps, été, même toute année, c'est les fleurs, hein, vous le savez. Je l'ai trouvé super joli celui-là. J'aime beaucoup les tons. Voilà. Ça, j'aime faire une jupe. Voilà, une jupe dans ces tons-là. Oh, avec un petit pull un peu vert, un petit haut vert, un petit haut corail. Je pense que ça ira bien. J'ai très envie de look comme ça. Je vais vous montrer après sur mon Pinterest. C'est joli, cet imprimé. Je me suis pris 2 mètres aussi pour me faire une jupe. J'ai pris celui-là d'imprimé.
J'ai hésité sur le coup et maintenant je sais pas quoi en penser de ça en fait. Bon, c'était vraiment pas cher. J'ai aimé. Vous savez que je suis dans ma période bleue depuis l'année dernière. J'aime beaucoup le bleu maintenant. Avant, je détestais le bleu. Et je trouve sympa, c'est une viscose. Et j'ai trouvé que c'était pas mal pour me faire une jupe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est space, hein? Ça fait un peu comme sur les bandanas, vous savez, à l'ancienne, un peu années 70. J'aime bien, je crois. C'est spécial, hein? Ça fait vraiment, ouais, très rétro Madonna, quoi, voilà. Ça me fait penser à ça. Je sais pas si je me ferai une jupe ou un petit haut. C'est pas mal quand même. J'ai trouvé ça rigolo. Cet aspect un peu jean, je sais pas si ça m'a plu. C'est vraiment pas cher en plus, hein. Donc c'est de la viscose, hein, aussi 100% viscose. Ça fait peut-être un peu trop graphique pour une jupe, je sais pas. En tout cas, ça m'a plu. Donc je l'ai pris. Et j'ai chiné, donc ça c'était acheté au magasin, et j'ai chiné dans ma petite boutique que j'adore, je suis tombée sur des tés d'oreiller. Hop, rose, hein. Dès qu'il y a du rose de toute façon. Ah mais c'est un traversant, j'adore, rose. Il fait plus pâle à la caméra, mais en vrai il est un poil plus foncé. Ça c'est toujours bien à avoir ça pour faire des doublures. Il est très joli, franchement. Des petites fleurs bon, rose et blanc, ça c'est vraiment facile à chiner si vous chinez. Avoir des tés de traversin, des tés de coussin. Moi, je vais directement dans la section drap, en fait. Drap pour chiner. Je vais pas. Voilà. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Je vais pas à Emmaüs. Malheureusement, il est très loin, le Emmaüs, de chez moi. Et c'est très dommage. Et ça, j'adore. C'est un coussin. Très joli. Un petit vert, voilà. Un peu pétant. Un peu menthe. Très bien pour faire des petits accessoires, des doublures, des pochettes, des chouchous, des. C'est parfait, voilà. Ça m'a coûté 1 € les deux. Ça, voilà. C'est vraiment super d'avoir ça. Et voilà, et je me suis évidemment pris des élastiques beaucoup pour faire les jupes. Et j'ai trouvé des petits cordons pas mal. Moi qui, à chaque fois, fais des sacs pochons qui n'aient pas de cordons. J'ai trouvé des cordons pas trop mal, pas idéal, mais pas trop mal. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire une petite jupe là cette semaine, ce serait bien. Pour Pâques. Ça irait trop bien avec mon tricot que je suis en train de faire en fait maintenant là. Mon tricot vert kaki, le sweetgrass avec les torsades, ça irait super bien là. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Et celui-là, oh là là, j'adore. Oh, celui-là, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Trop chouette si vous avez des idées, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que en jupe, j'aime pas. Je vais me faire une robe, je pense. Une robe comme ça. J'ai assez de mètres, j'ai pas pris beaucoup. Bon, on verra. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me faire cette jupe prochainement. Et je vous montrerai tout ça. Voilà mon encours. Je suis toujours sur ce gilet que j'ai commencé donc le 6 février. C'est le Sweetgrass Cardigan de Tricot Meringue. Je fais son test. J'ai des fils de partout, j'ai pas rentré les fils. Il rendra pas grand-chose là comme ça, mais voilà, je vous montre quand même mon avancée. J'ai fait tout le. Je vous ai laissé, je crois que j'avais été qu'au dos. J'ai fait les deux devant. J'ai fait la petite bordure en dents de chat, je me suis régalée à faire ça. Du coup, j'ai suivi la technique de. Enfin, c'est hyper bien expliqué. Vanessa nous offre beaucoup de vidéos avec ce patron, donc c'est vraiment. On est vraiment pris par la main. J'ai voulu faire une bordure en dents de chat directement tricotée en fait dedans. Je trouvais ça plus simple que de rabattre avec une aiguille. Du coup, ça me fait un petit rebord ici. Voilà, donc j'ai hâte de bloquer tout ça pour que ça prenne bien sa place. Et là, je suis en train de faire la bande de la patte de boutonnage, la bande en jersey double. Donc c'est la première fois que je fais ça avec 2 paires d'aiguilles. Voilà, donc heureusement qu'il y a les vidéos, mais c'est super chouette, j'ai hâte de finir au moins la bande. Je pense même que je vais le bloquer pour voir la taille, j'ai trop trop envie avant de faire les manches. Dans le patron, elle nous dit de faire les manches d'abord, mais du coup j'ai fait la bande, j'avais trop envie de voir le rendu en fait du corps. Voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir, c'est très bien expliqué et ça va aller avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. Voilà, j'ai choisi de faire la version crop finalement. J'aurais eu assez de faire assez de laine, mais je pense que ça va le faire comme ça. Ce sera plus joli avec des jupes, des robes. Voilà, c'est le principe. Ça va être de le porter comme ça, assez crop. Voilà.
Hello, ce matin je suis de retour à la machine à coudre. Ça fait un moment que j'ai pas cousu et j'ai vraiment envie ce matin, j'ai l'énergie pour ça. Donc c'est parti, je vais me faire une jupe élastiquée. Je vous ai dit que j'avais vraiment envie de ce look en ce moment, de petites jupes qui volent dans le vent avec un petit top et un petit cardigan. Et voilà, j'adore ce look pour le printemps. Et ou un petit veston. D'ailleurs, j'ai envie de me coudre aussi un petit veston, je vais vous montrer après. En attendant, ce matin, je vais faire ça. Je vais coudre ce tissu que je vous ai montré l'autre jour. J'ai 2 mètres et normalement, d'après le patron que je vais suivre, c'est un tutoriel gratuit sur YouTube, très simple, de Mélissa Sebir. Donc, je vais faire ça ce matin, j'ai envie. Comme ça, je ferai un. J'espère que ça va marcher. C'est super simple, c'est une jupe avec un élastique. J'avais déjà d'ailleurs tenté ça, je crois que c'était ma première cousette. J'avais fait un vlog l'année dernière. Ça s'appelait jupe élastiquée et moelleux au citron, quelque chose comme ça. C'était l'année dernière? Ouais, c'était l'année dernière, c'est dingue. Hein. Donc c'est parti, je vais faire ça ce matin. Et puis on verra, je vous montrerai aussi mes inspirations pour le printemps-été. Allez, à toute. Ça y est, je suis trop contente, trop contente. Vous voyez pas bien, mais franchement, alors ce qui est bien que l'imprimé fleurit, c'est qu'on voit pas trop les défauts en plus. Ma maison est sale, oui, je suis en gros travaux hein. Dehors, donc j'ai plein de terre. Ça, c'est le tissu que j'ai coupé. En fait, il m'en reste de quoi me faire une autre jupe. Donc franchement, j'adore ce tissu. Je suis trop contente, donc je l'ai fait à taille haute. Hein. Faut mettre des petits hauts taille haute. Taille haut, et puis je ne vais même pas repasser sur le côté, il faut que je repasse. Hyper contente. Parfait. Parfait en 2-2. Franchement, ça, c'est quand on apprend à coudre, quand on sait coudre, c'est vraiment le truc qu'on peut se faire très facilement et qui fait tellement plaisir. Sincèrement, depuis que j'ai appris à coudre, c'est vraiment les choses pour moi incroyables à faire, c'est ça. Les vestons comme j'ai, sincèrement, si vous débutez. C'est top, je l'ai fait à partir du patron de Charlène Hens. Il est sale d'ailleurs, très facile à faire. Tout ce qui est accessoires cheveux aussi. Du coup, il m'en reste, je pense que je vais me faire ouais, une blouse. J'ai la blouse Louisa avec la robe Louisa, ce serait joli aussi. Hein. Je sais que la robe Louisa, elle rentre dans 1,50 m, je crois. Qu'est-ce que j'aime. Je suis contente, je vais pouvoir le mettre avec des cardigans. Je vous dis que quand mon cardigan vert il sera fait, ce sera trop joli, je pense. Hyper contente, trop cool. Alors, une fois n'est pas coutume, on va regarder mes inspirations pour le printemps du coup. Comme ça, vous avez vu un peu ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc, c'est dans mon Pinterest, dans Capsule, dans Printemps. Voilà, c'est le style que j'ai envie. Je vous ai montré la dernière fois, je crois, je me souviens plus. J'ai très envie, voilà, de jupe avec de cardigan. J'ai envie de Converse à nouveau. Je vais voir si je m'en prends une, peut-être bleu ciel ou vert, ça serait super joli. J'adore les petites chaussures comme ça aussi. Voilà, c'est l'esprit, voilà, petit pull et parce que maintenant, franchement, au printemps, il fait froid.
Donc le petit cardigan n'est pas de trop. Je vous avais montré déjà ça la dernière fois, voilà. Je vais m'acheter du Vichy comme ça, vert, absolument. Et voilà, on va regarder dans Couture, c'est dans Couture que j'ai mis ça. Alors, Couture capsule, je sais plus ce que j'ai mis. Voilà. Voilà. Alors ça, j'ai bloqué sur cette robe l'année dernière. Mais un truc de fou, c'est dans Virgin River en fait. Je me suis dit, mais c'est la robe parfaite que Mel porte. Donc c'est la robe, voilà, cintrée à la taille, longue, en lin. Hein. J'insiste parce que je veux vraiment une robe exactement comme ça. Et avec des boutons, mais ça me semble assez difficile les boutons. Et donc je me suis mis à la recherche d'une robe pareille. Et donc j'ai trouvé ce patron de McColl, voilà, c'est ça. Qui s'appelle, enfin que voilà, c'est une robe, c'est exactement en fait la même, le même modèle. Donc j'hésite à m'acheter le patron McColl, qui est exactement pareil. Hein, c'est une robe boutonnée, col V, les manches un peu longues. Voilà, ça me paraît pas hyper compliqué. Et sinon, j'ai trouvé des robes qui lui ressemblent sans boutons. Alors j'ai celle-là que finalement elle est très simple, mais j'aime beaucoup. C'est une coupe flatteuse en fait. Hein, voilà, j'aime beaucoup ça. C'est le Spring Dress Ring Pattern de Sue Love Patterns. Et sinon, j'ai trouvé aussi cette robe. Je suis pas très sûre du même style, mais ça s'y rapproche quand même. C'est la robe Pléiade de French Pottery. C'est une créatrice française, je crois. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. La coupe est bien. Voilà, ça aussi, vous voyez, c'est le même style. J'ai vraiment envie de ça. Voilà, de robes très. Pas très, mais assez décolleté. Alors les boutons, ce serait le rêve, mais ça me fait très peur. Une bande comme ça qui vient vraiment marquer la taille. Voilà, ce serait ma robe parfaite. Hein. Voilà. Après, j'ai aussi ma robe Louise que j'ai qui est col V, qui est pas trop mal, mais qui est un élastique. Là, vraiment, je trouve que le fait que ce soit une bande assez large, ça doit être très flatteur pour la silhouette. Voilà, j'adore ça. Donc là, ça va être mes. Un peu mon but pour ce printemps-été, c'est me faire des robes. J'ai envie de robes longues un peu. Voilà, le carreau, j'ai envie de carreaux, de Vichy. Voilà, donc ça, c'est mes inspirations couture. Qu'est-ce que j'ai mis dans vêtements? J'ai plusieurs trucs en fait. Ça, c'était il y a un moment. Mais revenons dans capsule. Capsule, voilà, ça va être aussi. C'est pas énormément de cousettes, hein, du coup. Donc les jupes, comme je vous ai dit, je vais continuer à me faire des petites jupes. Et puis, j'ai envie encore de broderie anglaise. Donc voilà, faire la robe Louise peut-être en broderie anglaise, des choses très simples. Et voilà, des robes longues aussi. J'adore les robes longues, très classiques, hein, très simples. Voilà, me faire plusieurs versions de Vichy comme ça, tout simple. C'est tout ce que j'aime pour l'été. Donc voilà, si vous voulez aller voir sur mon Pinterest, je mets pas mal de choses. J'aime bien Pinterest, voilà. Petit fasse-bureau, j'ai sorti hier des livres d'inspiration parce que ça y est, je m'autorise à relire un peu mes livres de jardinage maintenant que peut-être on va pouvoir faire déjà le potager. Et voilà, on commence à planter doucement, doucement. Donc je m'autorise à sortir ça, même si ça va pas être dingue cette année, mais voilà. Je voulais vous montrer des livres que j'ai depuis des années, que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé pour la plupart. Mais c'est bien de se faire un petit récap un peu des livres que j'ai. Et puis, et vous me direz en bas, vous, ce que vous avez. J'aime bien savoir, voilà, si vous avez des livres de jardinage préférés. Même pas du jardinage dans la technique, mais moi, j'aime beaucoup l'inspiration plutôt que la pratique. Même si, vous allez voir, il y en a qui sont dans la pratique. Ça, c'est des livres d'inspiration que j'aime beaucoup. C'est vrai que pour le jardin, j'aime le style cottage anglais, même si vraiment maintenant je suis redescendue un petit peu de ça puisque nous habitons en province. Et surtout là où on est dans le Var, vraiment au sud-sud de la France, il fait très très chaud et on a vraiment des jardins de type vraiment méditerranéen. Mis à part que là où on est, nous, c'est un petit peu quand même préservé dans le coin où on est du hameau, du village. C'est assez. On a de la chance d'avoir de l'eau, une rivière à côté, donc c'est. C'était des potagers avant, donc voilà, c'est quand même une terre cultivée. Mais voilà, je vais m'en inspirer, mais pas tout mettre. Et faire très attention à l'exposition. Ça, j'avais fait déjà l'expérience dans mon jardin à Nice. En fait, tout ce qui est plantes, par exemple, pivoine, hortensia, c'est à l'ombre. Et voilà. Donc j'ai des coins à l'ombre dans la maison, je vais pouvoir en mettre. Bref, je m'égare.
Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est The Layered Garden par David Culp. C'est un livre vraiment de jardin. Un livre anglais de jardin. J'avais acheté d'occasion, je sais plus sur quel site, il y a quelques années. Ça va être vraiment un livre de jardin. Jardin. C'est vrai que celui-là, j'aime beaucoup, surtout pour les images. C'est assez... Je me suis jamais vraiment penchée sur les écrits, bizarrement. J'aime beaucoup les photos. Voilà, c'est un très bel ouvrage que j'aime beaucoup. Il y a des beaux jardins. Il est très grand, hein. Il y a beaucoup de photos. Voilà. Très sympa comme jardin. Ça fait rêver. Dans le même style, j'ai celui-là, The English Cottage Garden, que j'aime beaucoup, de Jane Taylor et Andrew Lawson. C'est un vieux livre. Hein. Pareil que j'avais acheté d'occasion. Quelle année c'est ? Je sais même pas. Et là, vraiment, je crois que je préfère celui-là au niveau des photos. Bon, ça fait très vieux. Hein. Quelle année il est ? J'aimerais bien savoir. 95. J'aime beaucoup. Ça fait rêver les petits cottages, les petites fleurs. J'aime beaucoup les dispositions. Trop beau. Voilà, même si vraiment ici, ça va pas être le cas. Les rosiers. Ça va pas être un jardin comme ça, évidemment, aussi vert, mais il y a de quoi s'en inspirer. Il est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ce livre. Si vous cherchez un livre de cottage, de jardin de cottage, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Très joli, même si vous habitez en Normandie, en Bretagne, vous pouvez vraiment faire des jardins comme ça. C'est vraiment chouette. Niveau, on va rester... Bon, on va prendre ce qui vient. Alors ça, c'est Tasha Tudor. C'est un livre que j'aime beaucoup. Tasha Tudor, vous la connaissez sûrement. C'est une femme qui habitait en autonomie dans sa maison avec son jardin. Elle a fait plusieurs livres. Elle était illustratrice pour enfants. Et elle nous a légué des merveilleux livres, dont celui-là. J'ai que celui-là parce qu'ils sont très chers d'occasion. J'aimerais beaucoup celui sur le craft, tout ce qui est voilà, manuel. Et il y en a un sur Noël aussi, je crois. Et ce livre est vraiment merveilleux. Il est de saison en saison. Il est vraiment extraordinaire. Vraiment, il y a plus que du jardin. Il y a vraiment une très belle âme et des très beaux écrits, des très beaux dessins. Il est vraiment somptueux. Voilà. Donc là, je vais le ressortir un peu pour voir ce qu'elle faisait au printemps. Et très, très belles photos. Voilà ce qu'elle faisait au printemps dans les jonquilles. Ça, c'est un très beau livre que j'adore. Ensuite, ça, c'est mon seul livre sur le potager, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que pour le potager, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée au début. Maintenant, je me renseigne un petit peu moins. J'ai mes habitudes, même si je vais devoir les réapprendre. Parce que ça fait 3 ans que j'ai plus de potager. On verra cette année. Mais le potager d'Olivier, j'aime beaucoup le suivre sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. J'aime beaucoup aussi ses permaculture et... Voilà, je regarde ça sur YouTube, j'ai beaucoup regardé ces vidéos, mois après mois. J'ai appris pas mal comme ça, et ce livre est vraiment bien. Il y a vraiment... c'est classé par plantes. Donc, au début, il y a toutes les techniques hein, qui suit. Et après, on a, voilà, plante par plante. Ouais. Légumes par légumes. Donc, c'est très intéressant. Ce qui est bien, c'est que j'aime beaucoup suivre Olivier, parce qu'il est dans un potager aussi dans le sud de la France, je crois vers Montpellier, donc il fait encore plus chaud, je crois. Donc, c'est très intéressant pour moi, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Ça, c'est un livre que j'ai dévoré vraiment. Je l'ai cité plusieurs fois. Quand je me suis mis de passion pour les fleurs et les fleurs de bouquet, les fleurs à avoir chez soi, je me suis acheté ce livre qui s'appelle Mon jardin de fleurs à couper de Louise Curley. Je l'ai d'ailleurs mis en recommandation sur mon livre Partie Jardin. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Si vous cherchez, voilà, à cultiver des fleurs, pour en faire des bouquets, c'est vraiment très, très, très bien. Il y a vraiment des conseils. Il est vraiment... Pour moi, il y a tout dedans. C'est vraiment extraordinaire. Il y a de l'avant. C'est par saison, je crois, aussi. Voilà. Il y a des plants, par exemple, très intéressants. J'avais vraiment beaucoup suivi son livre. Il y a les plants, il y a les types de fleurs. Voilà, il vous explique bien ce que c'est une annuelle, une bisannuelle, des vivaces... et après il y a même un petit bonus avec l'après, comment faire les bouquets séchés, enfin vraiment il est, voilà, l'hiver dans mon jardin, l'automne dans mon jardin, génial ce livre, je vous le conseille absolument. Si vous le trouvez d'occasion, je vous le conseille vraiment, vraiment. Il est vraiment, j'avais utilisé beaucoup de ses conseils, beaucoup, elle m'avait beaucoup inspirée. Je me souviens quand j'avais fait je tombe sur ça là, comment ça s'appelle déjà, n'importe quoi, j'adore les pots de senteur. Oh là là, j'en avais eu plein, c'était génial. J'ai franchement, j'ai
ça m'est, enfin, tous ces conseils, j'ai beaucoup, beaucoup appliqué ces conseils. Et voilà, je recommande à 100%. Voilà, c'est mon seul livre de fleurs, en fait, hein, tout simplement, de fleurs à couper. Ensuite, alors là, on passe plus dans la cueillette sauvage, hein, parce qu'on est dans l'inspiration printemps nature. Ça, c'est un livre que j'avais acheté les salles il y a quelques années. J'aime beaucoup ce petit livre, Sacred Herbs, Herbes sacrées, de Opal Strezents. J'aime beaucoup ce livre, qui parle, c'est en anglais par contre, hein, qui parle de plantes. Alors chaque plante sacrée qu'on cueille, hein, des plantes sauvages qu'on peut aussi, comme la coriandre, cultiver. Il y a vraiment tout en fait, la base en fait. C'est un petit livre vraiment mignon. Il y a les petites bases sur chaque plante, voilà, medicinal uses, ce qu'on peut faire, voilà. C'est très concis et très joli, je trouve. J'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très belle, simple et très très jolie. Voilà, 40 herbes médicinales. Je vous ai pas montré aussi, vous pouvez pas tout sortir, mais les livres de Christophe Bernard, que j'aime beaucoup, son livre sur les plantes. Bon. Après, on va pas tout faire. Hein. Si on commence dans l'herbalisme, là, franchement, j'en ai beaucoup. Ça, c'est un livre que j'ai hérité de mes grands-parents, qui s'appelle Plantes sauvages. Et ça, il est très sympa aussi. J'aime beaucoup, ça fait vraiment des plantes à l'ancienne, voilà, les... J'adore les dessins de plantes comme ça. C'est vraiment hyper beau. Et là, on a beaucoup, beaucoup de plantes sauvages, voilà, comme son nom l'indique. Donc, c'est très intéressant. Il est très beau, surtout, voilà. J'aime beaucoup les livres simples comme ça. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Et ensuite, j'ai celui-là. Ça, c'est un de mes livres préférés. J'en ai parlé beaucoup aussi. Je l'adore, il est abîmé. C'est voilà, Simple Country Wisdom de Susan Wagoner. Il a l'air de rien comme ça, ce livre. Et franchement, c'est encore en anglais, je suis désolée, il faut parler anglais. Je l'aime énormément, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce livre, j'adore ses styles de vie. Hein. Vraiment, comment entretenir sa maison, cuisiner, ranger, l'organisation. Il est très très complet, la décoration. Alors c'est assez kitsch, hein, puisque c'est un livre des années 2000, je crois. Mais il y a des conseils vraiment extraordinaires. Alors, je me souviens plus, parce que là, ça fait, je crois, au moins 2 ans que je l'ai plus relu. Et il y a une partie jardin trop mignonne. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. C'est un de mes livres, je vous dis, préférés. Dès que je le lis, je suis inspirée de folie pour la maison. Et voilà, il y a plein de petits conseils. Vous pouvez mettre des plantes ici, parce que manana, c'est vraiment... je vous le conseille absolument, si vous voulez vous lancer comme ça dans un livre... qui a beaucoup de charme. Voilà, il a énormément de charme. Je l'adore, ce livre. Pour un moment, je le donnerai, celui-là. Et ça, c'est ma dernière acquisition. Je voulais en parler parce que je l'ai acheté. C'est le dernier livre de Nitya Vance, L'Almanach de printemps. Et Nitya Vance, c'est une astrologue que je suis depuis quelques années sur YouTube. J'aime beaucoup son travail. Elle fait des consultations et puis elle écrit des articles. Elle fait pas mal de choses. Et donc, du coup, son almanach de printemps, c'est comme son nom l'indique, c'est chaque jour, elle va nous guider, nous donner des pistes. Alors, j'ai commencé à lire un petit peu. C'est vraiment du Nitya Vance dans le sens où elle écrit comme elle parle. C'est direct, cash. On n'est pas dans la poésie et c'est pas un reproche. On ressent. C'est-à-dire qu'on lit Nitya Vance, on est comme quand on l'écoute, en fait. On imagine vraiment ce rapport très direct qu'elle a à nous donner des conseils très cash. Elle est capricorne, hein, très capricorne. Et... voilà, je peux pas vous dire encore ce que j'en pense trop, mais je vais poursuivre, j'essaie de le lire tous les jours un peu. Ce que j'aime beaucoup dans Nitya Vance, c'est ses connaissances en astrologie qui sont extraordinaires, je trouve. Et ses connaissances, voilà. Donc écoutez, voilà, c'est mes livres que je vous conseille pour ce printemps. Et voilà, ben, n'oubliez pas de me dire en bas vous ce que vous en pensez. Je vais aller chercher quelques fleurs pour faire mes petits bouquets pour Pâques. Avant qu'il pleuve, parce qu'ils ont prévu tout le week-end de Pâques, il pleut en fait. Horrible quoi, dégoûté. Donc écoutez, là il fait pas beau, mais je vais quand même aller chercher mes petits bouquets et faire une bonne marche, en profiter. Et puis dégoûté quoi, parce que nous à Pâques, moi j'aime bien faire l'aioli. On mange ça dehors quand il fait beau, c'est tellement agréable. C'est un repas que j'adore avec plein de légumes. Patates douces, artichauts, patates douces. Très classique la patate douce. Carottes, pommes de terre, les fèves, les haricots verts, tous les légumes de printemps. Avec une bonne aioli, et je présente ça sous un
dans un grand plat en bois d'olivier que j'ai hérité aussi, avec du cabillaud frais ou de la morue, mais le cabillaud ça passe. Bon bref, cette année l'aïoli ce sera dedans. Voilà, j'ai pas encore regardé d'ailleurs ce que je vais faire en dessert. Je vais regarder, je vous emmène avec moi en cas. Bon allez, je vais marcher et puis voir quelles fleurs je peux récolter un petit peu. Nous, on n'a pas l'ail des ours, mais on a les petites jacinthes sauvages en pagaille. On fait un petit échange si vous voulez. Ça m'irait bien. Je cherche de l'ail des ours désespérément, mais il faut que j'aille dans des sous-bois. Et vraiment au bord de l'eau, j'ai espoir cette année. Voilà, c'est pas trop mal mon petit bouquet champêtre. J'en ai fait qu'un du coup. Un petit mix de fleurs jaunes, des petites jacinthes, des graminées, parce que j'adore les graminées. Et pas mal de petites choses. Je vais le mettre en bouquet, vous verrez mieux. Bon voilà, c'est pas trop mal. Ça, c'est un de mes vases préférés. Vous le voyez souvent, je l'adore. J'aime beaucoup. C'est pas trop mal. C'est joli. J'espère, entre la pluie ce week-end, j'irai en faire d'autres. On va faire plein de petits bouquets pour